Bienvenue au monde de la course. Vous êtes l'épisode juste après Alain Bordelot, un épisode assez légendaire. On a battu un record de temps. Là, on veut pas essayer de battre de record de temps à soir parce qu'il est déjà 9h40. Mais je pense qu'on va quand même faire, dans le temps qu'on aura, on va quand même faire un très bon podcast. Dans le fond, j'ai avec moi la gang qui organise le MRSQ. Les Qt, les coureurs utilitaires transpirants, l'espresso. Et je peux vous le dire, ils ont l'énergie. On était à 8h30, on était au parc Jeanne-Mance. J'ai essayé leur Cactus. On vous décrira un peu plus c'est quoi cette affaire-là. Mais on criait puis on faisait des simagrées. Peut-être c'est moi qui crie un peu, mais aussi du monde bien le fun. Fait que tout d'abord. Oh, pardon. T'es vraiment pas prévu comme ça, excuse. Alors, avant d'entrer dans les détails de c'est quoi le MRSQ, qui est une course, donc ils vont nous parler, on va juste en apprendre un peu plus sur les personnages derrière l'organisation. Tout d'abord, il y a Olivier Roy-Baillargeon, qu'on avait déjà reçu bonjour, bonjour. Lors du deuxième épisode. Je veux dire que je suis honoré d'être la troisième personne que tu reçois pour la deuxième fois. Hein? Après les deux membres de ta Oui. famille, John et Mélanie, je suis quand Ouais. même honoré d'être Ouais. là pour une deuxième fois. Je pense que ça veut dire beaucoup pour ce que toi puis moi, ça représente. Moi, j'ai déjà été cité. J'ai entendu mon nom dans un podcast à un moment donné. Ouais. J'étais bien content. J'ai une question de Pierre-Michel Arthur. Il y a eu une question aussi de Ouais, Alvaro Cueto Cueto. Muñoz. Muñoz. Ouais. Donc, c'est ça. Oui, écoute, t'es le premier non-membre de mon club qui passe deux fois. Donc, Hey! c'est quelque Écoute, chose. je vais mettre ça sur mon mur chez nous. Merci. On a Pierre-Michel Arcan Bonjour, bonjour! et on a Alvaro Cueto Muñoz. Donc, Muñoz! Ouais, c'est eux autres qui disent Muñoz. Au moins que tu nous écoutes, c'est vrai. Muñoz! J'ai été induit Ouais. en erreur. Nous, on arrête toujours à Cueto. Donc, tout d'abord, on va commencer. Alvaro, dans le fond, juste pour te faire une petite introduction, parce que je te connais quand même un peu avant ça. Toi, dans le fond, tu es aussi non seulement un des organisateurs du MRSQ, mais tu as aussi organisé la course NDL il y a deux fins de semaine, qui était l'autre des championnats provinciaux de 5 km. Et je l'ai dit sur Facebook déjà, mais c'était la meilleure chambre d'élite que j'ai eue à vie. Donc, Good. je tentais, je voulais juste le rappeler. Merci. Ouais, merci d'être venu là. C'était Et c'était tight. L'organisation, ça, c'est quelque chose, souvent, quand les organisations que j'aime, c'est des organisations tight. Ça, tout partait pile à l'heure. C'était bien fait. Il y avait des toilettes. Je tenais à souligner ça pour ceux qui cherchent des bonnes courses à faire. L'année prochaine, ça va être à faire. Et juste avant que j'oublie de le mentionner, j'étais crampé. Je suis arrivé à comme 7h30 du matin, quelque chose du genre. Et il y avait des haut-parleurs qui blastraient la toune de Shrek All Star sur les petites maisons, puis moi j'étais À crampé. Saint-Lambert. Saint-Lambert. Ceux qui chiolent tout le temps avec la ronde, c'est que la ronde c'est trop bien. Puis moi j'étais crampé, j'imaginais juste les petites madames qui sont comme Shrek! On avait un photobooth où on avait ajouté des cartons qui étaient écrits « J'ai fait du bruit à Saint-Lambert ». C'était vraiment très très bien. Donc, J'étais très content d'être ouais. accueilli par la ville. Oui. Donc, en Oui. gros, écris-nous brièvement, c'est quoi un peu ton parcours dans le monde de la course? Qu'est-ce qui t'a amené par ici? OK. Oui, alors donc, merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton petit chez toi avec ton petit chat qui se promène. D'ailleurs, Qui fait attchoumer. ouais, Olivier et moi, on a en ce moment des petites réactions allergiques. On est commenté sur la désirototatine. Donc, ça fait peut-être depuis 2, 3 ans que je commençais à réellement à courir, à être plus présent au niveau du circuit. Je suis tombé en amour avec toute l'atmosphère d'une course, d'un événement. Pour faire une histoire courte, je l'ai peut-être déjà dit à beaucoup de mes amis, beaucoup de mes connaissances, mais en 2016, j'ai fait plus de 46 courses chronométrées. J'ai viré fou, là, j'en ai trop fait. 2017, un petit peu moins dans la trentaine. J'ai à nouveau en 2018 exagéré et
approché d'une quarantaine de courses. Donc, c'était vraiment... Mais en même temps... C'est quasiment une par week-end. Oui, c'est quasiment... Et surtout, oui, parce que... Pas février. Oui, c'est ça, l'hiver, il y en a moins. Mais donc, ben souvent, j'ai pris des courses comme des entraînements. Donc, je me suis toujours entouré de ce belle atmosphère. Ouais. J'ai décidé justement d'organiser la course NDL, qui était en 2017 quand même un succès pour une première édition. On est revenu une deuxième année et bon, tu as participé à la troisième édition avec le championnat provincial. Donc, tout ça, c'est des belles expériences, mais en même temps, l'année dernière, quand en mois de juin, Pierre Fauché m'a encouragé à m'inscrire au MRSQ, j'ai pu faire mon premier ultra marathon à vie. Et j'ai trouvé cette course extraordinaire. Et quand Pierre-Michel a décidé de laisser le MRSQ... Pierre Fauché. Ouais, Pierre Fauché. Pierre Fauché, excuse-moi. La prochaine étape, c'est Pierre-Michel. C'est ça. Pierre a annoncé qu'il... Quand Pierre a annoncé qu'il laissait le MRSQ, à ce moment-là, au départ, Pierre-Michel et moi, on a discuté de reprendre la course. Et plus tard, Olivier est venu nous rejoindre. Et on a décidé par la suite d'ajouter un volet philanthropique à la course du MRSQ, mais on va s'en parler tantôt. Là, mais rapidement, beaucoup d'implications au niveau d'organiser des événements, mais également tout ce qui est monde communautaire et le monde de la course m'a toujours beaucoup passionné. Donc, ouais, c'est bien des choses, mais tu sais, passionné, toute une passion, parce que quand tu me racontes, tu faisais 50 ou 40 courses par année, puis c'est ça, moi j'y pensais pas, mais c'est ça, en février, t'as pas tant de courses, janvier, février, mars, t'as pas grand-chose. Ça m'est déjà arrivé de faire trois courses un vendredi, un samedi, un dimanche, déjà fait deux courses, le même événement. C'est lui qui a inventé le combo, là. Ouais, c'est ça. Hey, il y a un 5 et un 10 cette journée-là. Cool, je vais aller gagner les deux. T'sais, comme, non, quoi? Tu peux pas faire ça. You can't do that. Il est sur le 10, là. Il est aussi sur le 5. Je vais faire le 1 à place des enfants. Au moins, dans le temps, il était gros, là. J'étais plus costaud à l'époque et là, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. J'ai augmenté le volume. Il est devenu... Ouais, je suis devenu végétarien aussi, là. Olivier m'a influencé, mais disons que j'ai réellement... T'as changé. Converti. Mais je ne suis pas devenu vegan, je suis devenu végétarien, alors je continue à manger. C'est pour le prochain, ça. Non, ça n'y a aucun intérêt. C'est ça qui est des œufs. Donc, on a tous changé nos habitudes de vie, etc. Et bon, c'est devenu vraiment plus qu'une passion, un rythme de vie, là, c'est pas mal ce que je suis devenu. Et bon, c'est sûr qu'au niveau de la famille, il faut avoir des certains ajustements. J'ai une petite fille de 6 ans, j'ai ma blonde à la maison qui parfois trouve ça moins évident. Mais ça, on dirait que mon rythme de vie a forcé la famille entière à adopter des saines habitudes de vie. Alors, des fois, ça peut bien... jumelé, là. Des fois, est-ce que tes enfants, ils courent des 2 km, 1 km? Ma fille, plutôt le 1. Ouais. Donc, elle est du genre, je cours 200 mètres, je vais râler 100 mètres, je recours à 200 mètres. C'est une sprinteuse. Oh, et puis, oui. Non, mais elle a un bon kick. Mais elle aime pas trop, tu sais, quand c'est trop long. Mais je pense que ça prend du temps à apprécier ça. Là. Moi aussi, quand j'étais petit kid, là, quel âge en ce moment? Elle a 6 ans. Ah, oh, ouais, c'est ça, là, ouais. Tout ce qu'elle veut, c'est la médaille. Ouais, ouais. J'y ramène les médailles, puis elle regarde la médaille, fait comme, ah, celle-là, je la veux pas. Ah, celle-là, je la prends. Wow. Mais notre médaille, voilà. Mais elle, oui. elle doit en avoir plein des médailles en plus. Ouais, quand je fais 40 courses par année. Ouais, ouais. C'est ça. Là, c'est que... Alvaro, c'est le Pierre Lavoie des pauvres. Pas des cubes d'énergie, c'est des médailles de participation. C'est excellent. Puis, maintenant, on va passer à Pierre-Michel. Peux-tu juste nous parler un peu de toi? On se connaît depuis quand on a été introduit par Olivier. On se connaît peu. Moi, je te connais plus parce que c'est drôle de dire ça à quelqu'un. Là, mais non. Je t'ai pas stalké. J'ai des informations. Je check tu te couches à 11h tous les soirs. On trouve bien des choses sur Internet. Non, mais... moi, je suis un coureur depuis 2010. Une espèce de changement de vie de mi-vingtaine.
où est-ce que je suis arrivé, puis j'ai un de mes amis qui a décidé de courir un marathon. Puis je suis comme, ah! C'est le genre de truc drôle à faire dans une vie, courir un marathon. Puis je suis comme, mais si toi t'es capable, ben, moi aussi, je me suis inscrit. Puis j'ai comme commencé de même, puis ça a été correct. Là. Ça a été l'affaire la plus dure de ma vie. Là, après 17 km, j'étais déjà bien barré dans les jambes parce que j'avais jamais comme couru à cette vitesse-là de ma vie. Oh, ça va bien, il y a du monde, cool, cool. Puis après, j'étais bien barré, là, 25 km de pure douleur. Ouais. Puis après, j'ai comme fait, ah, ben, c'était correct, c'était faisable, tu sais. Puis fait que là, après, je suis passé au Ironman. Fait que j'ai fait plusieurs années en triathlon spécialisé dans le demi-Ironman. Puis là, les enfants sont arrivés, puis qu'ils commencent à vieillir. Puis là, j'étais rendu à deux enfants. Puis là, l'Ironman avec la nage, qui est un espèce de sport un peu compliqué à rentrer dans un horaire. Mm-hmm. C'est le pire sport. Faut aller quelque part, entre genre 10h et quart et 11h et 8. Tu sais, c'est des horaires tellement restrictifs. Ah ouais. Puis c'est une vie de parent. Tu peux pas rentrer des affaires de même. Là. Non, puis c'est ça. Puis le triathlon, là, j'ai déjà essayé un petit bout. Puis l'affaire, c'est que la course, t'as une certaine limite à ce que tu peux faire. Mais ouais. La nage, il n'y a pas de limite. Non, tu peux toujours t'améliorer la nage. T'es tellement poche. Puis tout le monde est poche. C'est ça l'avantage. Tout le monde est poche. Non, mais c'est vrai. Tout le monde est poche en âge, puis il y en a qui vont comme passer des dizaines d'heures, là, puis ils vont s'améliorer, ils vont finir deux minutes devant toi, puis après, ben, tu vas aller rechercher ces deux minutes-là sur le vélo, puis tu vas leur prendre un 10-15 sur la course après. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours bien performé, tout en ayant ce que j'appelais une âge average, là. C'est vraiment le milieu de peloton, mais j'arrivais tout le temps dans le top 5 du vélo, top 5 sur la course, puis après, je faisais tout le temps les podiums avec ça, fait que je m'en tirais bien. Puis après, comme j'avais ma force en vélo, puis j'ai passé plus à course tranquillement quand on a comme eu le coup de faire des marathons plus précis. Là. Fait comme, ouais, on se qualifie à Boston. Ouais, ok, ça marche. On va courir Boston. Ouais, on va faire ça. Puis après, ainsi de suite. Puis là, j'ai débordé. Je suis passé de l'autre bord. Là. Ouais. Le marathon, c'est un entraînement. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai goûté à l'autre truc. Là. Fait que on s'est ramassé sur 80 à Ricana. On a fait, ah, c'est cool. Fait un peu trop de kilomètres, là, mais on va essayer de faire. Quand PM il s'inscrit à 80, il fait 85. Quand il s'inscrit à 90, il en fait 100. Ouais. Non, ça fait que je m'étais perdu sur mes deux premiers 80. Puis fait que j'en ai fait trop. Mais après, j'étais allé sur 100, j'ai eu une bonne performance vers mon 100, j'avais gagné la course. Puis après, ouais, c'était une bonne journée. Là. J'étais là pour le PC, puis il m'a semé dans les 8 derniers kilos. Que, je pensais le fil d'arrivée. Vers mon 100, c'est 100 km. Ouais. Il y a 100 km et 100 miles, mais lui, il est allé sur 100 kilos. Ben, il est canadien, fait qu'on reste sur la course pour enfants. Tu t'en vas pour là-bas, t'es sur la course pour enfants. Ouais. La course pour enfants, oui, 100 kilos. Ouais, fait que c'était ouais, ça, puis j'étais avec Oli, j'avais Oli comme pacer, puis j'étais arrivé trop tôt au ravitaillement où est-ce que Oli était supposé m'attendre. Fait que moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que j'étais en avance, j'étais premier, j'avais peut-être un 2-3 minutes d'avance sur le deuxième, puis là, j'attends, je mange, j'en profite pour manger, j'étais en ravito, puis là, à un moment donné, je vois le gars arriver, je suis comme, ben, je suis désolé. Hein, ouais. Oli va s'arranger, fait que je suis parti. Puis là, on a une amie commune qui, quand j'arrive, me dit « Où c'est que t'étais? Ça fait 25 minutes que PM est parti! » Puis là, je suis comme « Ah, c'est fait que je l'ai rattrapé sur 11 km. Quand je suis arrivé, j'avais les jambes complètement éclatées. On a fait à peu près 30 kilos ensemble. Puis après ça, j'étais plus capable de courir dans les descentes. Fait qu'à 8 kilos de la fin, j'ai dit « Check PM, je peux te rattraper dans les montées puis c'est plat. » Mais on était ça beau, va descendre, hein? Je peux pas te suivre. Puis ben, il est juste parti. On était vraiment beau à voir en fin de course parce que je marchais en montée, je courais en descente. Moi, je courais en montée, puis je marchais en descente. On se croisait au milieu des côtes tout le temps. « Hey, salut, ça va, lâche pas, let's go! » C'est mon pinceur, mais on n'aime pas quand même courir ensemble. Puis il regardait sa montre, il disait « Ah, 5,57, c'est beau, j'étais encore en 6 minutes au kilo. Un autre demain, puis là, un autre demain. » Puis ben, il a bûché ça jusqu'à la fin, puis il a gagné. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut parler d'un gars qui a beaucoup, beaucoup de détermination et de force mentale. Mais comment ça que toi, tu cours en montant, puis tu marche en descendant, parce que d'habitude j'entendais justement que c'était le contraire qu'il fallait faire dans une course, que c'est des plus stratégiques de marcher parce que c'est comme plus efficace quand tu montes. Ouais. C'est parce que moi j'avais les quads trop éclatés pour être capable de descendre en courant. Ok. Mais j'avais encore assez d'énergie pour rattraper PM dès que ça montait puis qu'il se mettait à marcher. Okay. Mais c'était pas du tout une stratégie de course, c'est une stratégie de survie. Moi, c'était la stratégie de course. Okay, je faisais du power walk en montant, puis je donnais tout en descendant. Puis moi, j'essayais d'arriver à l'arrivée avec lui, puis j'ai échoué. Mais c'est correct. T'es quand même arrivé avant le deuxième. Oui.
Une chance, toi. Tu dirais-tu que t'es quand même comme t'as comme un certain talent dans les sentiers, parce qu'il faut quand même être bon pour descendre surtout là. Puis ça, je m'en suis rendu compte en triathlon, là, parce que quand j'étais jeune, ben, je suis le troisième d'une famille de gars qui faisaient du mountain bike presque à tous les week-ends. Fait que je suivais mes frères non-stop. Ça doit aider, c'est un peu. Mon background vient de là, puis ça, je m'en suis rendu compte juste en triathlon, quand je voyais les gens qui étaient pas capables de descendre, genre, ben oui, couche-toi sur le bike, couche-toi là, le pied sur le vélo à 90 km/h, là. Quand tes roues font ça, serre le cadre, tu sais. Là, je m'en suis rendu compte que moi, j'avais pas cette peur-là, cette espèce de témérité-là. Puis, même chose en trail, tu sais, descendre une côte, là, quand t'as les larmes dans les yeux, puis tu vois à peine une petite ligne, puis là, j'ai vu la ligne, d'après moi, ça ressemble à ça, la ligne de pas, puis ouais, ça allait bien. Plus que c'est technique, plus ça va vite. Là. Tu t'es-tu planté souvent? Rarement. Ah ouais? Excessivement rarement. Ça m'est arrivé une fois, à vrai dire. Puis c'est l'été passé, ben l'automne passé à... Sur le marathon du mec. Sur le Mont-Royal. Je suis en train de regarder ma montre, calculer mes affaires, une belle trail. J'ai pogné une mini-souche de 2 pouces en plein milieu de la trail. Ah ouais. J'étais sur un bon pace, là, puis j'ai juste comme... Tu vas le planer. Fait que là, maintenant, je fais des 100 miles. Fait que je m'en vais faire mon troisième cet été. Un 100 miles? Ouais, parce que je peux plus battre Oli sur le marathon. Fait que je m'en vais sur d'autres distances où est-ce qu'il y a moins de gens. Puis t'en as déjà fait deux, des 100 miles. Ouais. Puis c'est quoi un peu cette expérience-là, un 100 miles? Tu sais, c'est... Tu dois être vide à un moment donné. Ben, c'est comme Jules Verne, c'est le voyage au fond, au bout du monde. Ouais. Non, c'est... C'est vraiment une expérience unique. Il n'y a rien qui égale ça en termes de course à pied. C'est un effort constant. Puis Siri pense que je parle. Avez dit 100 miles. Voulez-vous une inscription? C'est vraiment un effort constant, mais toujours sans sortir de ta zone. C'est ça qui est magique. Faut toujours que tu manges, tu t'alimentes, puis tout ça. Puis c'est tellement long que tu oublies la longueur. C'est tout le temps la prochaine étape, la prochaine étape, la prochaine étape. Tu vois jamais la course au complet. T'as séparé en morceaux. Puis même, moi, mes dernières courses, j'ai même à peine regardé le parcours. Moi, j'ai 100 miles à faire. Puis même, c'était 103 miles et demi. Là, fait que. Ok, je vais arrêter quand ça va être le fil d'arrivée. Tu peux pas planifier. C'est pareil que moi, je finissais une course un dimanche. Puis je pensais déjà à la prochaine. Mais la transition peut être très bonne avec ce qu'on organise avec MRSQ, parce que justement, c'est une aventure où, dans le fond, tu te dis, tu sais, je vais jusqu'au prochain ravito, puis je ravise à ce point-là. T'sais. J'en ai tellement longtemps devant moi que je vais essayer de boire un peu, manger un peu, jaser avec les bénévoles qui sont là, retrouver de la détermination. Puis quand j'aurai le feeling que go, c'est le moment d'y retourner, tu sais, j'irai affronter les 8, 10, 12, 20 kilos qui me restera avant le prochain ravito. Puis tu sais, tu prends, au même titre que d'un marathon, il y a du monde qui vont regarder leur montre à chaque fois qu'elle va biper. Ok, j'ai rentré mon kilo à 3,18. Ok, je l'ai rentré à 3,18. Ok, je l'ai rentré à 3,19. Ben, c'est comme, ah, le prochain un ravito marathon est là. À 3,18, c'est bon ça? Un marathon, c'est mathématique. Ouais. C'est chaque kilomètre est calculé, pensé. En trail, en ultra, le parcours va t'imposer ta vitesse. Ah ouais. C'est sûr que c'est si tu... Puis, à vrai dire, ce que tu vas t'imposer comme vitesse, c'est de ne pas aller plus vite que. Tu vas te laisser. Ouais. En bas de 4,30, ça serait vraiment niaiseux. Mm-hmm. Ça serait vraiment niaiseux. Sauf si, mettons, t'es Jim Walmsley. Oui, mais lui, il est vraiment niaiseux. Ouais. C'est correct. Il court 1h04 flat sur demi. Fait qu'il pense le non, mais. Fait que, tu sais, c'est. Puis c'est pour ça que quand tu passes au ultramarathon, tu peux. T'oublies la notion de temps. Tu dis, on va compléter l'épreuve. Fait que c'est comme un long training. Tu le penses comme un long training, puis il y a toujours de la distance qui reste. Fait que tu peux pas être dans une zone rouge, jamais. Faut toujours que tu sois dans une zone de confort. Puis tant que t'es en confort, tu reprends de l'énergie en faisant des pauses, en t'alimentant correctement, tu vas être capable de passer à travers. Mais c'est le bagage d'entraînement, les années d'entraînement qui te permettent de faire ça. Puis même n'importe qui a déjà fait un marathon peut faire un 50 km. Là. Mm-hmm. J'ai aucun doute là-dessus. Là. J'avais fait à Ricana 28 km la même année qu'un ami avait fait le 80 km. Puis moi, je trouvais qu'il était complètement cinglé de faire le 80. Puis 2 ans plus tard, j'en ai fait un. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand on a fini de se rendre là-bas, puis que j'ai dit combien de temps ça va te prendre faire ça, 80 km? T'sais, il dit peut-être bien 8, 9, 10 heures. Je sais pas trop.
J'ai dit, mais pourquoi tu t'imposes ça? T'sais, il dit, Oli, si t'es capable de courir 2 heures, t'es capable de courir 12 heures. Puis c'est con, là. Ouais. Mais il avait vraiment raison. Mm-hmm. Tant que tu blesses pas, là, bien sûr. Oui, oui, mais... oui. Tu peux pas te pointer sur un 100 miles, mettons, en n'ayant jamais couru plus que 40 km dans mm-hmm. une semaine dans ta vie. T'sais, ça, c'est sûr. Puis en ayant mal à banquette. Ouais, c'est ça. Mettons. Mais, tu sais, l'ultra qu'on organise, nous autres, c'est une ultra que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, là, c'est la première fois qu'ils font plus que 42 km. T'sais. Puis il y en a une gang là-dedans qui se lance sur 100. Là. On sur 50, c'est plus de la moitié qui sont sur leur premier ultra. Ouais. Sur 100, on a plusieurs personnes qui ont déjà fait des ultras, mais peut-être des 50, des 65 ou des 80. Mais on n'a pas la statistique exacte qui fait un 100 et plus là, pour mm-hmm. la première fois. Là. Mais c'est un défi. Là, mm-hmm. pis l'avantage de le faire au MRSQ, c'est que c'est le plus rapide au Québec. C'est un parcours urbain, plat. Si tu veux sauf plus, à la ça, fin. Bah, ouais. Il faut 125 monter, mètres du Mont-Royal. Là, parce que ça va pas t'arrêter rendu là, là. Non, c'est ça. Le nom MRSQ, nous, on a gardé seulement l'acronyme, mais le nom origine de la formule anglaise Mount Royal Summit Quest. Mm-hmm. C'est une course ah, oui. qui est organisée depuis 12 ou 13 ans. Ah, calcule si tu veux. 16 ans d'abord. et qui part dans l'ouest de l'île. C'était organisé initialement par du monde des anglophones. C'est Peter Collins qui avait parti ça la première fois. Puis il voulait organiser un ultra. Fait, où est-ce que je pourrais faire ça à Montréal? Puis il a regardé la carte, puis il disait, OK, ben, si on part de loin dans l'ouest, on pourrait longer l'eau au canal de la Chine, puis remonter au Mont-Royal, puis atteindre le Mont-Royal. Fait, ils ont organisé une gang, ils se sont retrouvés de pas loin d'une dizaine la première année. Ça a continué année en année, en style fadasse. À un moment donné, c'est devenu un peu plus compétitif. Mais c'était une petite affaire quand même, 10 personnes. Au début, là, c'était vraiment un événement underground. Oh, oui. Là, oh, oui. C'est comme une sortie d'un club une fois. Là, ah, ouais. Cette fois-là, mettons, ils se sont dit, on fait ça sérieux, puis on se dit 50 kilos, puis on a un point d'arrivée, puis on essaie d'amener tout le monde là-bas. Ça, c'était quelle année, t'as dit? 2003. 2003, okay. OK. Puis nous, c'est un ami à nous, Pierre Fauché, qui nous a invités à faire ça. Moi, j'ai participé aux éditions 2017 et 2018. Quand en 2017, là, ça faisait peut-être un an et demi que je connaissais Pierre, puis... Il organisait ça, puis il m'a dit « Hey, tu sais, tu t'es entraîné pour un marathon, il me resterait de la place sur 50 km, des petits jeunes rapides comme vous autres, ça serait le fun de vous avoir sur le parcours. » Puis, ben, effectivement, tu sais, je me suis dit « voyons ce que ça peut donner. » Et, dans le fond, tu gères cette course-là, quand tu as déjà fait des marathons, tu gères ça comme un marathon plus le chemin Homestead jusqu'à la Croix. Plus 8. Mais grosso modo, sur à peu près les 42 premiers kilomètres, t'as pas vraiment plus de dénivelé que d'un marathon urbain là, comme celui de Montréal. Fait que probablement moins. Si ça se trouve, ta montée, c'est le Pont-Jean-Cartier. Et Christy, c'est vraiment le fun, là. Parce que t'es sur une piste cyclable tout le long. C'est super. Le feeling est un peu similaire au petit train du Nord. T'es sur une piste cyclable, t'as de la verdure d'un côté puis de l'eau de l'autre côté. Puis, t'es dans une ambiance où personne ne se prend au sérieux. Personne n'a de gros objectifs là, de temps. Il n'y a pas de policiers qui ferment les rues. Il n'y a pas de barrières. Il n'y a pas de... Tu sais, puis t'es pas dans une grosse affaire où, mettons, à tous les 4 km, t'as genre un band de cover qui joue des tunes de Marjo. Tu dis... Moi, j'aime ça! Je t'amène n'importe où! Puis, tu sais, tu longes le canal. Moi, au 31e kilo, j'avais ma blonde qui m'attendait avec ma fille au pied du marché à Twitter. Puis, comme, tu sais, je me suis arrêté 2 minutes avec pour prendre une photo, leur donner des becs. J'étais comme... 28 secondes. Puis, de fil en aiguille, dans le fond, tu sais, moi, j'ai vraiment pris goût à cette expérience-là. Puis, en 2018, j'ai dit à Pierre, je reviens, puis je veux rebattre le record de parcours. Puis, là, j'ai vraiment géré ça comme un gros marathon. Puis, j'ai essayé de le rentrer à l'allure la plus délurée que je pouvais tenir. Puis là, ben, c'est ça. Pierre, après ça, il nous a annoncé, je n'organise plus cette course-là. Puis là, j'apprends que PM et Alvaro ont décidé qu'ils la reprenaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle disparaisse. Puis là, j'ai dit, ben tu sais, je veux contribuer, je veux essayer d'une manière de faire en sorte que cette course-là demeure un rendez-vous à la fois pour les gens qui veulent pour la première fois affronter une distance de 50 km ou de 100 km. Je veux que ça reste un rendez-vous aussi pour le monde qui veulent participer à une compé qui se prend pas au sérieux, qui coûte pas cher, puis qui... donne le sentiment de communauté
puis d'esprit de camaraderie en quelque sorte qu'on retrouvait dans les courses de trail. Tu sais, quand t'arrives là d'une fin de semaine d'une course de trail, là, tout le monde s'entraide, tout le monde se passe son baume pour le chafing. Puis quand t'es ces sentiers, s'il t'arrive de quoi, les gens s'aident, s'entraident, il se passe des capsules de ciel, il y a du monde, ça va pas bien, viens, je t'amène au prochain ravito. Tu sais, notre ami Mathieu Blanchard, pendant l'UTMB, il a porté secours à Jim Wamsley puis à Zach Miller. Il a aidé, je pense, Zach Miller, embarqué dans un hélicoptère pour partir du... Tu sais, c'est une élite internationale, puis notre pote, il a juste dit, garde, là, tu sais, moi j'en ai pour 23 heures et quelques, ben, je vais t'aider, là, jusqu'à ce que les secours arrivent, tu sais. Puis c'est ça, le milieu du trail, c'est ça, l'éthique du trail. Ouais. Puis MRSQ, c'est une course sur route qui est gérée comme un ultra, puis avec l'éthique du trail. Fait que je me suis dit, ça, c'est trois qualités fondamentales qu'il faut absolument préserver. Puis avec ces deux maniaques-là qui donnent corps et âme pour faire ça, je pense qu'on a un sacré beau projet. Puis je suis vraiment très fier, très content aussi que tu nous offres l'occasion d'en parler, parce que je pense que le milieu de la course à pied au Québec connaît peu, voire pas, ce genre d'ovni-là. Puis c'est un ovni qui est sacrément bénéfique pour toute une série de raisons. Ouais. Comme les trois, on est des coureurs cute, coureurs utilitaires, transpirant l'espresso, parce qu'on se réunit, ça c'est un autre dossier. Mais on voulait trouver une cause qui serait utile à la société, si on veut, utile à la communauté. Et on a décidé, avec les inscriptions, d'acheter un cartus dans lequel tu as pu tester. Et c'est justement un chariot qui simule les mêmes sensations de course lorsqu'on met quelqu'un. Cette personne, elle a de la sensation de vraiment rouler. Et ça peut être bon pour des personnes à mobilité réduite ou même des enfants. Et donc, on l'a acheté avant l'événement. Et on a déjà, pour certaines courses, la course NDL, quelle autre course à la Saint-Laurent, on a pu pousser du monde sur le Cartus. Et en fin de semaine, peut-être qu'on va voir, on va y être au marathon de Longueuil pour une petite distance. Donc, on veut la faire profiter à n'importe qui le désire. C'est tout à fait gratuit. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que cette personne soit consciente de l'équipement, de pas le briser. On la coach un peu. Et justement, on veut que ce chariot appartienne à tout le monde dans son essence. Alors, on l'a déjà acheté, elle roule déjà, puis voilà. On est conscient d'être extrêmement chanceux d'avoir l'usage de nos jambes, d'avoir l'énergie, puis d'avoir la capacité à gérer jour après jour des entraînements, puis d'être capable de se fixer des objectifs comme courir un 100 miles cet été ou courir un marathon en moins de 2h30, puis... 2h40, objectif. 2h43, 04. Et on veut permettre à des gens qui n'ont pas cette chance-là, qui ne peuvent pas se servir de leurs jambes ou qui ne peuvent pas courir longtemps ou qui ne peuvent pas courir souvent, la chance de vivre ce que c'est l'ambiance, la fébrilité d'une ligne de départ, d'une course, les encouragements soutenus tout au long du parcours quand tu dépasses d'autres gens ou quand tu passe devant des spectateurs, puis qui voit l'enfant ou l'ado ou l'adulte qui est dans le fauteuil, puis qui se fait pousser par quelqu'un d'autre. Ceux qui l'ont vu, ben, l'année justement dernière, quand tu as gagné pour le du côté canadien le marathon de Montréal, il y a eu un record Guinness qui a été établi par Sébastien Roulier, qui poussait une jeune femme justement, qui je pense, si je ne m'abuse, est atteinte de paralysie cérébrale. Et qui rêvait de courir un marathon, tu sais. Puis donc, installé dans exactement ce fauteuil-là, il l'a poussé pendant 3h01 pour lui faire faire le parcours. Puis les reportages qu'on a vus, tu sais, à la télé montraient cette jeune femme-là tellement fière de ce qu'elle avait accompli. Mmh. Puis Sébastien Roulier être honoré d'avoir pu lui permettre de vivre ça, tu sais. Ouais. La réaction au niveau des spectateurs est incroyable, là, ouais. de voir ça se produire. Là, c'est... Ouais. J'avais vécu aussi l'expérience à travers Julien Pinsonneau, c'est un coureur plus de la région de je pense qu'il court pour athlétisme Sherbrooke, ouais, c'est ouais. Ça. Et lui, c'est un futur médecin, mais qui est toujours dans les œuvres de bienfaisance. Il est vraiment très impliqué. Et lui, il avait accès à un cartus. Et à un moment donné, je lui ai demandé, as-tu un jeune que tu voudrais que je puisse pousser? Et c'est là qu'il m'avait prêté un cartus de course partagée de Sherbrooke. Et c'est là que j'avais poussé un jeune à Rougemont.
Et c'est là que j'avais promis au petit gars, avant de commencer la course, hey, on va aller la gagner, celle-là. Mais j'avais pas vu de parcours. C'était un parcours où il y avait des montées, des descentes. Vallonneux un peu. Ah, c'était une souffrance ultime. Parce que quand je montais, c'était pas évident à monter. Et il fallait rouler. J'essayais de. Tout le monde me dépassait, mais quand c'était le moment de descendre, ben, je dépassais les gens. Là, tu clenches tout le monde. Ouais, mais là, c'était. Fallait vraiment faire attention parce qu'on descendait très rapidement. Tu veux pas faire. Ouais. Avec un petit jeune, mais là, lui, le petit garçon, il trouvait ça très fun. Et on a réussi à rentrer, je pense, le 10 kilos en 39 minutes. Et on a gagné la course, c'était pas une course relevée, mais on a vraiment gagné cette course-là. Puis le petit garçon, on a monté au podium avec la chaise puis tout. Alors ça, c'était une expérience pour le petit garçon d'avoir vécu un podium. Autant que ça peut aider quelqu'un à mobilité réduite, autant un enfant peut vivre une expérience assez unique. Là. Mm-hmm. Puis c'est pas juste la personne qui est sur la chaise qui vit une certaine expérience ou une transformation, mais il y a aussi celui qui pousse parce que tu dédies tes jambes à quelqu'un. Et tu lui donnes toute ton énergie parce que tu es centré sur son expérience à lui là, ou à elle, peu importe ta personne. Mm-hmm. Ben moi, je tiens à dire, là, j'ai vécu l'expérience du cactus. Puis je tiens à dire, moi, je suis une personne un peu, pessimiste un peu dans la vie. Des fois, j'essaie toujours de voir le négatif et tout ça. Et là, tu sais, je me disais, ah, mais ça, c'est des affaires qu'on fait pour se sentir bien. Puis que, tu sais, en réalité, l'enfant, tu sais, je me disais, ça doit être plate, là, t'es là-dedans, tu fais rien, tu bouges pas. Mm-hmm. Mais crime que c'est le fun, cette affaire-là. J'étais là-dedans, puis j'étais, comme tu es au niveau du sol, tu sens la vitesse. Je peux complètement imaginer, moi je voudrais le faire, même si j'ai mes jambes, là, j'aurais du fun à le faire. Fait que j'ose pas imaginer en plus un enfant, quand tu sens la vitesse, ou un enfant, ou une personne qui a juste pas l'usage de ses jambes, d'aller à cette vitesse-là. Puis là, on faisait ça à 8h30 autour du parc Jamas, il y a comme personne. Ouais. Là, en plus, j'imagine, tu sais, quelqu'un qui a jamais vécu ça, de vivre là, la course là, dans un... de voir les spectateurs qui cheer, encore plus si tu peux le gagner, ça c'est malade. Complètement. Mais tu sais, si t'as pas de course, t'sais, t'es pas en arrière d'un vélo, est-ce que tout ce que tu vois, ben, c'est la selle, dans le fond. Du papa, tu sais. Non, c'est ça. Le devant, t'as l'air d'en face, puis tu vois les directions. C'est pas une poussette, les gens peuvent penser, ah, ça y est, c'est une poussette. Non, c'est vraiment un chariot qui te permet de simuler les vraies sensations de course. Et c'est très, très bien fait. C'est, en plus, une compagnie, Cartus, on peut dire même jeu de mots avec l'anglais, Cart Us. Yes! Incroyable. Ben, c'est grâce à ma blonde, c'est elle qui me l'a dit. La traductrice, elle m'a dit, hey, ça fait Cart Us. J'ai fait comme... Mais c'est une compagnie québécoise qui est entièrement faite au Québec. Donc, justement, on encourage les entreprises locales. Et en parlant d'entreprise locale, j'en profite de plugger que nos camisoles sont faites aussi par une entreprise locale, StriFit. Oui, Ariel the guy, a confectionné une belle camisole. L'homme derrière les camis. Hein. L'homme derrière les camis. Celui qui les imprime, c'est Ariel, mais celui qui les a conçus, c'est PM. Oui. Je suis le directeur artistique derrière l'événement. Là. Alors, on se divise les tâches aussi pour l'événement de la course. Là. Non, son nice, c'est aussi lui qui fait les camisoles d'Athlétisme Ville-Marie. Ouais. Puis c'est ça, on compare et on essaie de voir c'est quoi les meilleurs prix. Puis les meilleurs. Puis tu sais, lui, il te charge à l'unité, puis c'est rapide, là, tac, de même. Fait que, Ariel, petite blog. Yes, ouais. C'est Ariel. The man. The man. Puis là, ben, peut-être le mini laïus sur qui qu'on est, les cute. Parce que c'est un nom qu'on s'est donné qui peut peut-être aux yeux puis aux oreilles de certaines personnes donner l'impression que. Ces gars-là, ils se trouvent beaux, ils sont non prétentieux. Arrête, si. Ouais. Là, comme un cul de vache. Regarde, la dernière fois, je me suis mis dans le miroir, il a fendu. Et les deux ans, en fait. C'est ça. Fatigué, j'ai les cernes jusque-là. J'ai vu les yeux, c'est même pas à cause de ton chat. Dans le fond, on a commencé ça avec PM, puis un pote à nous qui s'appelle Marco, qui était lui aussi papa d'un jeune enfant avec un horaire... où tu dois rentrer tes entraînements pour un marathon à l'intérieur de ton horaire de conciliation travail-famille. Puis on se disait, Christy, on n'a jamais le temps d'aller courir. Quand est-ce qu'on pourrait bien faire ça? Et on a élu, à un moment donné, un vendredi matin, de se retrouver au Vieux-Port avant d'être rendu au travail, mais pendant qu'on était déjà dans notre déplacement à la course entre chez nous puis le travail, ou souvent, dans le cas des deux gars, c'était entre la garderie puis le travail. Moi, ma fille était née, mais pas encore à la garderie à ce moment-là. Puis on se disait, hey, 7h le matin, le vendredi, c'est notre seul moment.
On se rejoignait, on a fait 45 minutes de course ensemble, on a fini ça dans un bar d'expression, on a trinqué. Quand que PM a mis ça sur Facebook, parce que quand il arrive quelque chose, PM il prend des photos pour prouver que ça a eu lieu, puis on est content, puis reconnaissant qu'il le fasse. Ça n'a pas eu lieu, ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de photographie, Pixar didn't happen, ouais. Et on a plein de monde qui se sont mis à nous écrire « Ah, c'est bien cute, votre formule! » Cute, parce qu'on est avec nos petites tasses de café. C'est quoi? Hey, on a le temps de prendre un café entre boys, c'est quand qu'on a le temps de se voir maintenant? Hey. C'était ça, avec nos petits espressos. Bon, ben, ciao, bonne journée, j'ai un meeting dans 25 minutes. À bientôt les gars, il faut que j'aille prendre ma douche avant d'être présentable dans ma salle de conférence avec mes collègues. Fait qu'on a juste repris l'idée « Ah, c'est cute! » On, hein, on se fait-tu une sortie cute? Le cute est revenu quelques fois. Ah, vous êtes cute, ouais. Cute. Puis là, ben, on a dit cute, on fait un acronyme à l'envers. Tu sais, comment qu'on pourrait bien utiliser les lettres C-U-T-E. Tu sais, fait que là, ben, c'est pour coureur, ça tombe. Espresso, ça c'est clair, tu sais. Puis là, on disait U pour urbain ou ben pour utilitaire. Ça a été le long débat. Ben, t'sais, on l'a eu à peu près. Un long débat. Nous avons fait des votes. Une dizaine de noms qui ont évolué dans les premières années. Puis à un moment donné, c'est vraiment là. Puis là, ben, le T, c'était-tu trinquant ou transpirant? L'espresso, t'sais. Fait que là, tout ça pour un nom bien, bien prétentieux, mais qui aujourd'hui circule. Puis tu sais, il y a du monde qui nous contacte, mais ils nous ont comme. Ah, j'ai entendu parler de vous à telle course. Je peux-tu me joindre à votre club? Tu sais. Je suis assez rapide pour courir avec vous. On est comme. J'habite à Chambly. Là, t'es comme. Wow. Ça te fait un long commio, tu mon ami, parce que tu sais, nous autres, on se rejoint à 7h au Boule Rouge du Somme des Sciences pour courir le vendredi matin. Puis ben, ça fait que maintenant, je pense qu'on a quelque chose comme 400 personnes qui aiment notre fanpage sur Facebook. Il y a plein de gens qui, comme, courent après nous parce que. Qui veulent être dans le club. C'est les cute qui organisent le MRSQ. Fait que là, ils sont inscrits à MRSQ. Puis là, ils ont vraiment hâte d'avoir la camisole MRSQ cute. Tu sais? Puis là, on est rendu un réseau. On a des cute à Vancouver, à Gatineau, puis à Québec. Non, non, pas de joke. Ouais, la cellule Québec. Puis. La cellule de Québec. Absolument. ils ont commencé à se faire des sorties. Sans joke. Puis. Ça s'en vient! Hey, c'est big! On a un réseau! Absolument! Le troisième lien s'est construit, là. On va mettre des bombes sur le troisième lien. Puis le principe est que, dans le fond, tu sais, on est une gang qui veut contribuer à faire en sorte que, par nos disponibilités, tout le monde, par nos horaires cet été, aux différentes courses auxquelles on va s'inscrire, ça va souvent être un cute. Malheureusement, c'est un parce qu'on est principalement des gars. On a une couple de filles qui sont dans notre groupe, mais bon, qui sont pour toute une série de raisons, dont le fait d'avoir accouché en février, par exemple. Moins actives que nous dans les sorties puis dans les activités. Mais ce sera pas mal toujours un cute qui sera présent à la course en question avec le Quartus. Soit pour pousser l'enfant ou l'adulte en question qui aurait voulu faire le parcours dans le Quartus, ou à tout le moins pour donner des instructions à la personne qui voudra pousser son frère, sa fille, son oncle, sa tante, son cousin, je ne sais trop. Voici comment ça fonctionne le Quartus et tout. Alors, cette camisole que vous voyez si vous regardez ce podcast sur YouTube, c'est un peu l'effigie en quelque sorte du Quartus, de la cause. Puis de cet engagement-là qu'on a pour faire bouger du monde, dans le fond. Mais est-ce que vous êtes un club ou c'est quoi? Parce que c'est juste un groupe. C'est un groupe de coureurs. Un groupe d'amis. Qu'est-ce que les clubs? Ouais. En fait, c'est exactement comme à l'image de MRSQ, des gars sans prétention, du monde sans prétention qui court un événement. C'est un événement à la MRSQ qui est farasse. Les rues sont pas fermées. Si à un moment donné, t'arrives. Ah ouais, t'arrives à un feu rouge, t'attends. C'est clair. Ben ouais, c'est ça. Il y en a pas beaucoup. C'est vers la fin, en général. Sur Rachel. Ouais. Sur Rachel, puis, c'est vraiment c'est, ça. C'est la responsabilité du coureur de respecter le code de circulation. Mm-hmm. Puis tu sais, si tu veux passer le feu rouge, ben live with it. T'as toi les oreilles. Mais. T'es en train de faire un 100 km, puis si t'as des jambes, t'es à 90 km, tu te dis, hey, je pense que j'ai le temps de passer un de ces deux chars-là. Pose-toi la question si tes quads vont réagir à temps. C'est... Ouais, parce que quand t'arrêtes à la fin d'un marathon, c'est. Là, t'es à 90 km sur Rachel, là. Donc, c'est ça. Les cues font exactement ça quand on fait une petite commute où on s'amuse à courir autour des boules de rouges du centre des sciences. Ouais. Ben, même chose, même principe. Des fois, il y a des feux rouges, mais il faut attendre. On est dans la
ville. Il faut pas se prendre trop sérieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi dangereux que ça peut se paraître dans l'optique où le 100 km, dans le fond, il part le samedi de la longue fin de semaine de la Saint-Jean à 11h le soir au Belvédère Condiaronde du Mont-Royal. Et là, pendant à peu près 30 minutes, là, les plus rapides vont peut-être en prendre 20, les plus lents vont en prendre 30, descendre le chemin Homestead jusqu'à sortir du parc du Mont-Royal à la statue. Puis là, s'engage sur Rachel, descend de Papineau, prennent le pont Jean-Cartier, puis par le pont de la Concorde, vont rejoindre le canal de la Chine pour se rendre jusqu'au point de départ du 50 km, loin dans l'ouest. Qui est où? Au parc Edgewater, donc à la jonction de Beaconsfield puis de Pointe-Claire. Dans l'ouest. Yes. Et donc, ces gens-là qui vont être partis à 11h le soir vont avoir jusqu'à 6h le matin pour avoir les 50 premiers kilos faits. C'est qu'ils vont traverser pendant la nuit la ville. Mm-hmm. C'est ça. La circulation devrait être au ralenti. La nuit du samedi au dimanche de la fin de semaine. Un long week-end. Et là, à 6h du matin, fermeture du parcours du premier 50 km, départ du deuxième. Puis là, c'est leur relonger tout le bord du fleuve, passer par la Chine et rendu au musée de la Chine, dans le fond, bifurqué par le côté du fleuve plutôt que par le canal. Mm-hmm. Longer le fleuve jusqu'à l'école Monseigneur. C'est un beau parcours, ça. Ouais, c'est magnifique. Et là, Île des Sœurs, Estacade, Voie maritime, Circuit Gilles Villeneuve, Pont Jean-Cartier, Papineau, Rachel et Ascension du Mont-Royal jusqu'au Belvédère. Les plus rapides du 50 réussissent à rattraper les plus lents du 100 km. Et bon, bien sûr, ça se gagne en combien de temps, cette course-là, messieurs? L'année dernière, le 50 km s'est gagné en 3h17. Je ne sais pas par qui, là, je me souviens pas. 3h17? Ouais. C'est quand même un temps solide sur un marathon, ça. Ouais. C'est 3 minutes 57 par kilomètre. T'as-tu dit « j'ai fait »? Oups. Moi, je suis arrivé deuxième à 3h46. Ouais. Et le 100 km avait été gagné par Johan Trimenc, qui s'était perdu pas mal durant la nuit. Là, il avait fait quelque chose comme 114 km. Non, 103 km. Mais en dessous de 8 heures. Ouais. Autour de 8 heures sur le record du 100 km, puis 3h17 sur le 50. Mais on va avoir des gens qui vont faire le 50 km en 6h30, 7h. Sam Trudel a fait 8h04 aussi. L'année précédente. Fait que c'est des temps... Des temps similaires. Tu sais, c'est, quand on dit que c'est le plus rapide au Québec, il n'y a pas ça nulle part ailleurs au Québec. Il n'y a pas d'ultra rapide de même. Ouais. Mais si on regarde notre belle courbe de distribution Z, on a de tout type de coureurs à toutes les vitesses. Là. Parce qu'on a prévu 7 heures comme temps limite pour le 50 km, ce qui fait 8 minutes 24 au kilo. Là. Ça veut dire que si tu fais de la marche rapide, tu peux le faire. Et le même temps, mais en double pour le 100 km. Donc, les gens vont avoir jusqu'à 13 heures et étant partis à 11 heures le soir là, pour compléter l'épreuve. Donc, 7 heures pour faire le premier 50, puis 7 heures pour faire le deuxième. Et quand on dit que c'est accessible, une bonne gestion de course, t'es capable de prendre des pauses, des longues pauses, puis de repartir à la course, puis rentrer dans les délais pour compléter la course. Puis là-dessus, j'ai une anecdote. J'ai un ami à moi qui est retourné en Floride cette année pour compléter la deuxième fois son 100 miles. La première année, il dominait la course jusqu'au 140e kilomètre. Puis au 140e, il n'était plus capable d'avancer. Il se complètement figé, là. Sa jambe n'avançait plus. Il est abandonné. Il y avait encore peut-être 2 heures d'avance sur la deuxième place à ce moment-là. 1h40. Capable d'avancer, il y a DNF là. Il revient de Floride, ça fait un an qu'il se pose cette question-là. Il retourne cette année, il a été blessé cet hiver. Un entraînement vraiment en bas de ce qu'il peut faire, mais il dit je m'en vais juste compléter la distance. Il retourne là-bas, ouais, il fait sa course. C'était 3 boucles. Après la première boucle, là, ça va pas bien. Douleur intestinale, douleur au ventre, il vomit. C'est beau. Il quitte la course, il s'en va, il retourne dans son char, il va dormir 4 heures, commande du McDo, mange son McDo. Puis là, il fait une petite marche autour du parc. Puis il est comme, attends, là, je me sens mieux. Puis il regarde dans le monde, puis il était comme, ben, j'ai encore des temps.
Vraiment manger du McDo. Il est retourné voir le race director et il a dit ben, je pense que je repartirai. Fait qu'il a dit ben, let's go. Fait qu'il est reparti puis il a complété la course. Nous, on avait tous été notifiés, on avait tous reçu le message puis il avait abandonné. Puis on était comme oh non, pas encore, il va être démoli, le pauvre. Mais c'est ça, il a réussi à reprendre sa course sur un pace de je complète l'épreuve puis je suis steady contre. Ouais. Alexandre Benoît. Shout out. On est vraiment content pour lui. Il n'y a pas de limite à la détermination. Il faut juste que qui est un ancien recordman du 100 au MRSQ. Ouais. Que c'est le, ouais, c'est, je pense que c'est le premier qui était rentré en bas de 10 heures. Quand les temps ont commencé à chuter. Là. Ouais. C'est ça. Faut juste que tu vois chaque kilomètre comme la prochaine étape. Et non comme, ah, faut que je le fasse plus vite. Ah non, je suis en train de ralentir. Qu'est-ce qui va m'arriver? T'sais? Ben, tu vas passer par toute la gamme d'émotions puis toute la gamme des sensations. Puis quand tu vas arriver au ravito, tu vas remanger un peu, tu vas jaser, ça va te requinquer. Puis quand tu vas repartir, tu vas être frais comme une rose. Fait qu'il y a un 50 puis un 100. Ouais. Ça doit être un des seuls, je pense que ça doit être un des seuls ultra-urbains, si on veut. Je connais pas de loin, c'est ça. Il y en a un autre, c'est Trans-Montréal, que Pierre Fauché organise aussi. Il l'organise, c'est l'organise. Stéphane Aymon. Ah, OK, excusez. Je pense que ça a lieu en novembre. En novembre, c'est un 60 kilos, je pense, ouais, si je ne me trompe pas. Puis ça se passe sur le boulevard Gouin. Là, dans, puis après, il traverse dans le fond de Montréal de, sur la, de Sainte-Ville à Pointe-aux-Trembles. Par l'autre côté. Au nord. Fait qu'il va chercher l'autre côté. Il va chercher exact. Plus le. Nous, on est plus south. South Shore. C'est le signe du South Shore. Non. Puis, dans le fond. C'est quoi, est-ce qu'il y a des ravitaillements? C'est quoi à toutes les 10 kilos, à toutes les 20 kilos? Un peu moins que. Dans le fond, la moyenne là, est au, dans ce qu'on a planifié là, est aux 7 à 8 kilos. Ah, ok. Ouais. Fait que les gens qui vont être à 8 minutes au kilo, ils vont en avoir pour une heure en chaque ravito. Mais à 4 minutes au kilo, tu es aux 30 minutes, t'as des melons d'eau, des oranges, des pretzels, des jujubes, du Brix. Ouais. Surtout sur le deuxième 50. Là. Le premier 50, ouais. C'est, on va comme plus mettre en place un ravitaillement mobile. On va demander aux gens d'être plus autonomes. Premier 50 qui est pour ceux qui font le 100, dans le fond. Oui, ouais, c'est durant la nuit à ce moment-là. C'est un peu chiant pour les bénévoles. Non, c'est ça. On est comme elle. On mettra pas trop de ravitaillement. Ouais. C'est moi qui serai en charge du ravito mobile. Non, justement, avec ma voiture. Là, on va. Au 25e, là, il va s'installer là. Puis après, il va être au 50. Puis ça, il y a des points fixes. Qu'on a déjà identifié, mais évidemment, ben, comme les coureurs vont s'être déjà distancés un peu, ben, le temps que le premier passe au premier ravito, si Alvaro reste jusqu'à ce que le dernier arrive, ben, le premier va être déjà rendu à un point où il attendrait déjà un ravito. Donc, les gens qui sont inscrits sur le 100, ils savent que le premier 50, c'est une course en quasi-autonomie. C'est, nous autres, on est là en soutien, ah ouais. Mais ils ne peuvent pas compter sur nous pour s'assurer d'avoir des glucides dans leur sang de façon périodique. Même si, de toute façon, tu cours ça à quelque chose comme 4 minutes 30. Puis l'année dernière, Yoann Trimal qui l'a gagné, il a fait 2h27 là, au marathon. Fait que le gars, il sait que quand il court à 4 minutes 30, il n'a pas besoin de prendre des glucides de façon aussi régulière que quand il court à 3 minutes 30. Fait de toute façon, ça va être du monde plus expérimenté, sûrement, qui font le 100. Fait que c'est souvent du monde qui sont habitués d'avoir leur pack. On a posé la question au moment de l'inscription. S'ils avaient déjà couru un marathon. Ouais. C'était un prérequis quand même. On veut pas. Disons, évidemment. C'est quand on dit monde plus expérimenté, j'aime mettre le petit bémol, là, ouais. Dire c'est soit plus expérimenté ou plus idiot. Et des fois, c'est les deux. On est tous un peu idiots quand on est sur Ultra. Hein? Ouais. Essaye d'expliquer ça le lendemain à Jumbo. Ouais, j'ai couru 100 km hier. Pardon. Couru. J'ai couru. À vélo, là. Non. Oh oui, j'ai couru à vélo. Non. C'est un classique. Oui, il y a un petit côté dingo, là, on va se le dire. Là. Masochiste. Oui. Ou en tout cas. La course était le masochiste, un article qui était sorti récemment. Oui, dans la clinique du coureur. Mais c'est ça, est-ce que tu le fais parce que tu veux te prouver que tu es vivant, que tu es capable de repousser tes limites? Tu sais, que par un peu de douleur gérée heure par heure, tu existes pleinement dans ton corps, tu sais, puis dans le fond. Ben, la plupart de tes amis, pendant ce temps-là, sont en train de regarder, genre, Orange is the New Black. Ils vont dormir. Pourquoi courir? Ben, vous pourrez écouter le podcast de Maxime Lopez. Pourquoi? Ouais. Pourquoi courir? On va faire de la méta-référence. Oui, on fait des... Ouais.
Puis, dans le fond, vous avez combien d'inscrits? Ben, en général, vous attendez à avoir combien? C'est quoi votre seuil? On est rendu à 110 ou 108 inscrits. Oh, dans les deux épreuves? Ouais, puis, ouais, je suis combien dans chaque? On a 39 sur 40 devant nous. Il reste une place sur le 100. Ouais. Si t'es là, puis tu nous écoutes, il est tatoué. Est tatoué. Inscris-toi tout de suite. puis 4 places sur les 80 qu'on avait ouvert sur le 50. Fait que, ouais. on a 76 de vendus. Ouais, donc on va fait qu'il reste 5 places au total. Ouais. Ouais. Ah. Ouais. Bon, ben. Ouais. Elles vont être vendues dans 3, 2, 1. Bip! mais c'est ça, le but, c'est pas d'avoir une grosse foule. D'abord, parce qu'on va se pointer dans un parc de Pointe-Claire à 6h du matin le 23 juin. On peut pas débarquer là avec la toune de Shrek qui blasse dans le qu'on garde l'esprit farasse de la compétition parce qu'on veut utiliser le Mont-Royal. Puis Mont-Royal, ben, t'sais, si on se retrouve avec un attroupement maintenant à Montréal de plus de 50 personnes au même endroit, ben, t'sais, il faut un permis et des affaires de même. Là, ça devient un peu compliqué. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de garder encore la course petite, locale dans un sens, même si on a des coureurs des États-Unis cette année. Uh-huh. Mais t'sais, on essaie de garder cette espèce de côté familier là qu'on a avec toutes les courses d'ultra, les courses de l'événement là, qui sort depuis 2003 avec la gang de 10 boys qui ont décidé de courir. On garde encore cet esprit-là, mais c'est ouvert, on peut le faire, puis après, on arrive à l'arrivée. Il n'y a pas 80 personnes qui peuvent avoir en même temps. C'est spreadé dans le temps, il y aura les touristes qui vont débarquer en haut sur le Belvédère, ils vont prendre des photos, ils vont rien comprendre. Il y a quelqu'un qui va vraiment courant. J'en ai 15 qui applaudissent. Des touristes chinois qui vont rien comprendre. Oh, ouais, non, mais tu sais, on est une course sans ligne d'arrivée, sans podium. Là, cette année, ça va être des vraies médailles faites pour l'organisation, pour la première fois, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est une ligne de pierre, là, sur le Belvédère Condiaronque, là. Puis t'as quelqu'un avec un pad et un crayon qui note le nombre de minutes, tu sais, que ça t'a pris, t'arrives. Puis, effectivement, tu sais, il y a plein de gens qui sont là, puis qui sont comme, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais. Puis les gens qui arrivent à l'arrivée, ben, ils attendent les prochains, puis là, ils les accueillent, tu sais, mais... Il n'y a aucune once de se prendre au sérieux là-dedans. C'est vraiment juste l'esprit de communauté qui se crée. Puis, tu sais, moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais quand je suis arrivé là, j'ai fait, bon, c'est donc bien cool, ça. C'est vraiment hot. Je veux vraiment revivre ça, tu sais. Fait que là, notre objectif cette année, c'est de le faire vivre au monde, tu sais. Mais en pimpant l'expérience, tu sais, en disant, regarde, tu t'inscris, tu sais, on leur a proposé aux gens un programme d'entraînement de 18 semaines pour leur dire, ne parcours pas et n'affronte pas 100 km qui veut bien le faire comme ça, c'est une gosse. Voici une proposition de planif sur comment passer de genre je cours 3 fois par semaine à je vais courir 100 km d'une seule fois. On leur a fait une camis personnalisée. Ouais. Les gens vont avoir une médaille personnalisée. T'sais. Mais encore pour un tarif dérisoire, je pense que c'est quoi, on charge 60 piastres pour un 50 kg puis 80 piastres pour un 100 kg. Tu compares au marathon de Montréal. Ça inclut la camisole, ça inclut les ravitaux, la médaille, évidemment le soutien à la cause d'acheter le cartus. C'est ça. Et le cartus, c'est le plus gros moteur. Dans le fond, nous autres, on fait pas ça pour faire du cash, on fait pas ça pour se faire un nom, on fait ça pour redonner à la communauté. Fait que, chaque dollar que les gens mettent dans leur inscription leur revient sous forme de melon d'eau, de médailles, de dossards, de camisoles, puis de contributions à notre cause pour faire bouger du monde qui n'ont pas la chance qu'on a. C'est le fun, ben, je trouve que c'est... ça rend l'ultra plus accessible parce que tu regardes souvent, tu sais, mettons que tu n'as jamais fait ça, puis là tu te dis, ok, je vais aller en forêt, là si ça va pas bien, je suis comme au milieu de la forêt, oui, c'est sûr, il y a toujours des mesures de sécurité. Tout le temps, le gars devant, le gars derrière aussi. Ouais. C'est ça, c'est ce qui est malade en ultra ou en trail, c'est que t'es pas... Moi, j'arrive du triathlon. Hein. En triathlon, les gens se regardent, ne se parlent pas. Tu sais, c'est regarde le vélo, puis juge. T'as un vélo pas complètement carbone. Tu peux courir des heures de temps avec la même personne. Tu l'as jamais vu de ta vie avant. Pendant des heures de temps, tu vas être avec la même personne. Puis après, tu réalises que c'est quand la dernière fois que j'ai passé 5 heures avec un de mes chums à jaser. Parce que
tu vas marcher, tu vas descendre, puis tu vas jaser. Ouais. Je connais la vie personnelle d'un gars en Virginie. Mm-hmm. Je connais tout sur lui. Je connais toutes ses courses qu'il a faites, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ces affaires-là. Puis, ben, je le reverrai probablement jamais. Ouais. Mais j'ai passé 4 heures à marcher, ben, on courait, bon, à courir avec lui. Ouais. Puis, ben, on marchait mon temps. Là, mais c'est ça, tu retrouves ça en trail. Puis, plus t'es dans le fond, ta fameuse courbe Z, là, plus est-ce que t'es dans le peloton de monde, plus que ce peloton-là, c'est pas une personne, c'est ça va se retrouver à 10 personnes, 5 personnes. Les gens veulent pas sortir de ce groupe-là. Puis là, à un moment donné, ils vont dire, OK, ça fait longtemps qu'il est derrière moi, là. Ils vont lui dire de passer. Hey, tu peux passer si tu veux. Non, 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 je suis correct, là. Ils vont pas se battre pour dépasser. Ils veulent être en groupe. Ça c'est vraiment le sentiment primaire là, qui revient. Là. Je veux pas être seul. Puis les deux ont besoin de l'aide de l'un et de l'autre en trail, mais aussi en ultra, c'est le même principe. C'est les gens, là, ils vont se retrouver, ils vont courir ensemble, puis on est à l'aise à se passer ensemble, on y va ensemble all the way. Puis mm-hmm. ils vont pas se battre entre la 27e et la 28e place. Là. Ils vont finir ensemble. Pas des gens kikés au dernier 200. J'aime pas ça d'abord. Sur route, là, sur le dernier 100 mètres, il y a tout le temps ça. Là, qui va finir le chest devant l'autre? Là, c'est tout le temps ça. Oui. En trail, ça finit main dans la main. Pourquoi? Ça vient d'où? Je sais pas. Prends à cause des 4 dernières heures que les gars ont passé ensemble et disent je vais pas quand même le battre le dernier. T'sais. Je m'en fous, là, entre 27 et 28. Là. Ouais. Mais c'est drôle ce que tu disais de main dans main. Parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui. C'était Lani Marchand et Natasha Wodak, deux top coureuses au Canada. Black Magic. Puis c'est un humoriste américain, je pense, qui a partagé ça. Puis oui, t'as les deux canadiennes, top canadiennes, qui s'arrivent vers la fin d'arrivée, puis là, ça, ils sont main dans la main, lèvent les mains, puis t'as une fille qui les passe, paf, juste avant la fin. Puis je pense qu'il écrit le titre du vidéo, il écrit Black Magic, parce que la fille est black. Puis paf, là, en tout cas, c'était bien drôle. Oh, ouais, mais bref, c'était beauté. Juste référence à ça, je partagerai ça sur la page Facebook dans le futur, mais c'est... Ça m'a bien fait cramper. Mais bref, oui, c'est le fun, l'esprit, c'est ça. Comme on dit, un peu de camaraderie, puis c'est plus relax du trail. Puis c'est le fun d'amener ça, mais c'est le fun d'amener ça dans un milieu urbain parce que je trouve que ça rend ça plus accessible à tout le monde. Parce que tu te rends un point, puis là, tu as toujours la crainte, est-ce que à un moment donné, je vais avoir quelque chose qui marche pas dans mes jambes, puis que je peux plus continuer. Ouais. Mais là, tu es à Montréal, tu sais. Fait que T'as ta carte à puce. C'est ça. Ouais, parce que souvent aussi, tu sais, comme PM, il parle du gars en Virginie, c'est parce qu'il a fallu qu'il conduise jusqu'en Virginie là, pour aller la faire, ma Sanitaine, tu sais. Puis il te rentre jusqu'en Virginie, mettons que quand t'as une famille, ça veut dire que tu dis à ta blonde, papa va être parti de tôt le vendredi matin parce qu'on a 8h30 de char à faire. Ouais. Il faut que j'arrive là, puis que je m'installe au camping, puis que. Parce que le départ est à 5h le samedi matin, parce que j'en ai pour à peu près jusqu'à 6-7h le dimanche matin à courir. Puis là, dimanche, quand je finis, je vais essayer de remanger un petit peu puis de redéfaire mon camp parce qu'après ça, on a 8h30 à conduire. Fait que je vais revenir le dimanche soir assez tard puis je travaille le lundi, tu sais. Ben, pour MRSQ, ben, les gens, ils vont comme faire leur journée de travail normale le vendredi. Le samedi, ils vont peut-être essayer de dormir assez tard parce que là, le départ est à 11h le soir, tu sais. Mais vers quelque chose comme 8h, ils vont sortir de table. Ils vont demander à quelqu'un d'aller les déposer à Maison Smith. Ils vont marcher 400 mètres. Ils vont prendre leur dossard. À 11h le soir, ils vont prendre le départ. Puis ils vont donner rendez-vous à leur famille le lendemain en début d'avant-midi, au même endroit où ils ont laissé, au sommet du Mont-Royal. Puis vers quelque chose comme 2h l'après-midi, ils vont être chez eux, dans leur hamac, dans leur cour, en train de faire une sieste pour récupérer. Ouais. Puis le lundi, c'est férié. Puis mardi, ils vont être au travail, puis ils vont avoir vécu un 100 km. Fait que, tu sais. C'est pour l'anecdote, à Massanutten, moi, le mardi, c'était férié, c'était le week-end de la fin des Patriotes. Le mardi, je commence une nouvelle job. C'était fait en fin de semaine. Et que j'arrivais de moi. Puis je marchais un peu en cowboy. Ouais. Fait que ça, c'est aussi un avantage. Parce qu'effectivement, c'est pour faire une course de trail digne de ce nom, il faut que tu bouges un peu. Vermont, c'est une des plus proches. T'as 3h30 de route pareil. Fait que nous autres, on part du. Puis aussi, je veux dire. Comme j'ai moi, tu sais, si je me trompe, là, mais moi, je suis peut-être le poète de la gang qui dit que c'est quand même un hommage aussi à Montréal puis au Mont-Royal qu'on rend, de dire ouais. T'as pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout des rocheuses ou des Appalaches, je ne sais trop, pour avoir une expérience de nature urbaine. On a les abords du canal de la Chine, les abords du fleuve, le Mont-Royal, c'est des joyaux de nature. Ouais. En ville, certes, là, tu sais, tu vas pas croiser des coyotes, mais encore que. Ah, on a dit qu'il y a des coyotes. Mais tu sais,
on a un beau milieu de vie, puis on peut vivre une expérience qui n'est pas pantoute urbaine, asphaltée, puis froide, comme un marathon ou un 10 km de route en pleine ville, tu sais. Un peu. 10 km de route. Wesh! Yeah. C'est sûr que ça va être après 5 1604 mètres. That's it. 1109. Ouais. Ah, c'est les 5 derniers mètres, il se fait voler une seconde. Bien. Fait que, c'est ça, MRSQ, dans le fond. Il y a tout d'autres choses à dire là-dessus. Mais c'est ça, mais dans le fond, c'est ça. Je trouve que c'est une belle initiative parce que ça rend ça plus accessible, surtout aux gens qui seraient craintifs. Et aussi, c'est comme pour ceux qui ont peur que ça soit comme ah, je vais courir, m'accourir 100 ou 50 km sur tu sais, comme dans la Sherbrooke. Ville. Ouais, c'est ça, sur Sherbrooke. Ouais, sentir de l'exhaust, puis tout ça. Ben non, c'est quand même un parcours qui va beaucoup souvent longer le beau bord de l'eau qu'on a. 10% du parcours à peu près, ouais. Ouais, bon. Le plus urbain que t'as, c'est sur la rue Rachel, t'es sur le cyclable, puis t'es le dimanche matin. C'est ça, puis ouais. très tôt. Assez tranquille. Mais c'est ça, c'est sérieusement pour ceux qui sont de Montréal, qui ont pas eu la chance, je vous conseille, fortement, si vous voulez essayer un 50 km, c'est le bord de l'eau, surtout à la Chine represent. C'est vraiment beau. Je dirais à Verdun, là. Ouais, Verdun aussi. Particulièrement beau. Bon. Oui, il vit à Verdun. Quand je l'ai fait, moi, le 50, le seul moment que j'ai dû m'arrêter, c'était coin Rachel et Saint-Laurent. Il n'y avait pas un seul véhicule, mais j'avais pas le choix. La lumière était rouge et c'était une police qui était stationnée là. C'est pour ça que j'ai pu le battre. Ouais, c'est ça. J'ai perdu 2 heures. Yeah. Une lumière de 25 minutes. Ouais, c'est sur le policier qui contrôle la lumière. C'est ça. En temps normal, les rues sont pas mal vides et c'est le fun d'arriver au sommet du Mont-Royal. Tu peux croiser des gens qui ont fait la fête toute la nuit. C'est la Saint-Jean, les touristes qui te regardent disent que tu viens de courir 50 km ou bien ceux qui ont courir 100, c'est assez unique comme expérience. Fait que vous l'avez tous fait, la MRSQ? Non. Je trouve que c'est de trop courte distance. Non, moi, ça veut dire, c'est parce que ça tombait toujours le même week-end que l'Ironman à Tremblant, le 73, fait que je l'ai à chaque année, c'est pas la bonne, puis ben, je voulais le faire cette année, puis... finalement, j'organise. Mon plan d'entraînement fonctionne quand même sur le timing pour le faire cette année. Puis c'est le fun aussi, c'est ça, que le plan d'entraînement, comme vous dites, d'offrir ça aux gens, parce que souvent, il y a certaines personnes qui n'ont aucune idée comment tu fais pour t'entraîner pour ça. Fait que c'est bien sympa d'obtenir ça. Puis j'aimerais juste savoir, qu'on termine, c'est comment de monter le chemin Homestead quand tu as 90 ou... 40 kilos dans les jambes, c'est quoi cette expérience? C'est sûr que ça fait diminuer ta moyenne au kilomètre. Absolument. Je l'ai vu sur Strava. Mais, tu sais, il y a quelque chose de grandiose dans cette arrivée-là qui est vraiment chic. Puis il y a aussi que, tu sais, moi j'ai vécu le fait de voir la statue poindre quand tu rentres dans le parc Jeanne Mance, puis tu vois l'ange au sommet de l'autre côté de la rue du parc. Là. Puis, comme, enfin! Ouais, comme quand dans un marathon, tu vois le panneau 41. Tu sais que là, no matter what, tu vas finir, puis tu vas finir fort. Puis, difficile à croire, là, mais moi, les 2 années, l'ascension d'Homestead, oui, j'ai perdu du temps parce que tout le reste est super plat. T'sais. Mais, sitôt terminé l'ascension, parce que ce qui était cruel les 2 dernières années, c'était que quand tu arrivais juste à côté du chalet, il fallait que tu ailles faire la boucle du sommet. Puis le côté à pic ou le côté soft? À pic. Ouais, c'est mieux de même. Tu commençais par l'antenne, puis là, à partir de l'antenne, tu descendais croix, puis tu finissais au chalet. Mais les 2 années, il y avait quelqu'un qui finissait avec moi pour me garder mon allure, puis les 2 années, je l'ai complètement semé. Parce qu'arrivé à l'antenne, j'étais tellement content d'arriver, je savais qu'il me restait genre 1,1 kg, je l'ai rentré en 3,15. Et tabarouette, je sais pas comment tu vas faire du 3,15 après un 40. Ça descend. Là, 49. Ça descend, tu sais. Mais c'est ça, il y a comme la symbolique d'arriver sur le Mont-Royal
est telle que tu montes Homestead aussi, puis c'est pour la première fois depuis le début du parcours que tu croises d'autres joggeurs, là, parce que peu importe l'heure, il y a tout le temps du monde en train de jogger sur Homestead quand tu arrives à partir de la statue. Tu vois, à 3h du matin, il y a du monde qui jogue. Mais là, tu as un dossard, tu sais, fait que les gens, ils te regardent, ils sont comme, hey, c'est pas le challenge RCM parce qu'il n'y a pas 800 personnes, mais comme, on dirait qu'il y a une course en ce moment, tu sais. Fait que là, tu te fais encourager. Puis là, t'as aussi du monde qui savent que c'est MRSQ aujourd'hui, qui ont participé à d'autres éditions. Fait qu'ils t'encouragent aussi parce qu'ils te voient, ils savent quitter, tu sais. Mais quand vraiment t'arrives, puis que tu passes à côté de la Maison Smith, puis que là, t'es comme, ça y est, tu sais, il me reste 2-3 kilos à faire, là. Le feeling est comme. Moi, en tout cas, j'ai pas vraiment senti que mes jambes, puis mes poumons travaillaient plus fort pour monter, tu sais. J'avais comme. La bouffée d'énergie qui me donnait le second souffle pour monter le Mont-Royal comme si j'étais sur du plat. Ouais. Ben moi, je donne une réponse différente. je voulais mourir. J'étais tanné. Ça ne peut pas s'appeler Mont-Royal. Ah, j'étais écœuré, là. J'étais tanné, là, parce que j'avais aucune idée. Ma montre, je pense qu'elle manquait de la batterie, là. Ça n'arrêtait pas de me flasher. Non, il faut que je rentre ça sur Strava. Non, mais je suis sur Strava, mais je mets absolument rien. C'est même pas relié. J'ai une vieille montre Garmin, première édition. Non. J'écris tout sur papier, moi, je suis old school. Mais il est enseignant de l'école. Ouais, c'est ça, maintenant. En histoire, c'est ça, tu veux conserver le papier. Ouais, j'écris sur des tablettes d'argile. Sur ces papyrus. Non, c'est ça, non, écrire mes entraînements, c'est trop de gestion. Mais non, j'ai vraiment souffert énormément. Non, mais par contre, c'est vrai que lorsque tu termines, là, c'est comme... satisfaisant. Ouais. Ouais, mais en plus, toi, c'était serré, là, le top derrière. Là, il y avait comme 3 coureurs qui ont couru quand même assez proche. Là. Il y avait du monde pas loin derrière toi. Là. Ah, ça, je sais pas. Ouais, effectivement, il fallait quand même. Tu peux pas, Moi, je voulais pas me faire dépasser, c'est sûr, clair. Ouais, c'est sûr. Quand ça fait comme plusieurs heures que tu cours tout seul, là, t'es comme. Non, mais c'est ça, j'ai une course en solo, là, c'est certain. Là. Ouais. Mais surtout parce que j'ai pas fait beaucoup de marathons. C'était techniquement mon troisième marathon. J'avais fait un à Longueuil. L'année d'après, j'ai fait Boston. Et là, 3 mois plus tard, ben, je faisais le MRSQ, qui est techniquement un marathon. Puis c'est ça, mes trois plus grandes distances à vie. Là, j'ai pas vraiment fait plus que ça. Alors, c'est sûr que là, en octobre, je fais un autre marathon. Ça va être à Toronto. Puis on verra là, l'année prochaine. Là. L'expérience de MRSQ va être rentrée. Ouais. Moi, c'est ça. Capes 100 en nous, Chicago, Transmartinique. Je suis comme, peut-être Arcana 125 là, pour aller chercher un billet pour la Western. Là, mais j'ai rien en juin. Puis ça, c'est la philosophie idiote de l'ultra. C'est comme, j'ai juste 4 distances de plus de 100 km d'ici à la fin de l'année. Il me semble qu'il y a un trou dans mon horaire. Oui, mais ils sont tous dans la fin de l'année. Non. Ouais. Ça te laisse du temps pour t'entraîner? Non, toi, tu fais pas ça. Je fais pas ça, moi, je fais du commute. Ouais. Ah oui, c'est ça, coureur utilitaire. Est-ce que c'est... Dans le fond, pour ceux qui savent pas, coureur utilitaire, c'est dans le fond, c'est quand tu cours, mettons, pour te rendre à la job ou pour te rendre d'un endroit à l'autre, vous êtes tous des coureurs utilitaires. Ouais, est-ce que c'est un prérequis pour avoir la camisole? Au minimum. Ben oui, si tu fais pas ça, écoute. Pour les gens qui courent pas de façon utilitaire, j'ai à peu près la même proposition que pour les gens qui utilisent une risotteuse. C'est quoi une risotteuse? On vous dira pas c'était quoi. C'est censuré. C'est la machine à riz. Ouais. Non, mais c'est ça. Dans le fond, coureur utilitaire, c'est même pas juste pour te rendre au travail. Là. C'est dans le fond te servir de la course comme un mode de transport. On est venu te rejoindre tantôt en courant. Ouais. Je vais faire mon épicerie en courant, je vais porter ma fille à la garderie en courant. Je regarde en char, ça prend le même nombre de temps que le faire à course. C'est ça. Pas grave, le gars, là. C'est ça. Sauf quand tu vis, c'est ça, à Chambly ou à Rosemère, ou je ne sais trop. Le seul problème, c'est qu'il y a une petite odeur ici. Hein, les shorts. Et les coureurs transpirants. C'est pour ça le terrain, c'est pour ça le transpirant. Voilà. Mais c'est pas une odeur d'espresso. Non, pour de vrai, je sens rien. Mais je me souviens, j'ai des souvenirs de shorts. Il y a certains shorts, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. Ouais. Il y a toujours une paire de shorts que cette paire-là. Tu peux là, jamais la mettre deux fois. Ouais. Non, vraiment. Puis même, t'as mis une fois, puis comme. Moi, je me le faisais dire là, à McGill. Là, il me disait, crime, là, c'est la 20e fois que tu portes ces shorts-là. Je suis comme, non, c'est la première.
Mais c'est comme, il y avait quelque chose, cette short-là, il y avait quelque chose qui... En tout cas, qui, soit que ça augmentait les odeurs, ou soit que toutes mes autres shorts sont super bons, puis qui neutralisaient toutes les odeurs. Mais bref. C'est fun le mot de la fin, hein? Ouais, c'est ça, c'est fun. Ouais, c'est ça, ça les odeurs de shorts. Le nombre d'anecdotes sur les shorts. Non, mais. C'est pour ça de même, ça faisait que les autres derrière moi, ben, ils passaient devant. Fait comme ça, je forçais moins. Ah, que... le jour où je vais me faire tirer sur mes entraînements, je mets mes shorts qui puent. C'est exactement ça. On va parler des shorts dans le spécial Patreon. Ouais. Ceux qui payent c'est pour ça. Avoir les bonus. Là. Ceux qui payent, je vais décrire comment c'était avec les shorts. Je vais vous envoyer un sample pour 30$. Je vous les renvoie, les shorts. Moi, mes shorts, après avoir couru, je les envoie. Je les envoie dans une distributrice dans un aéroport au Japon. Puis, ouais. Mais quand t'es une fille, tu peux faire de l'argent avec ça. Il y a certaines filles, mais des gars, je pense. Je pense à moi. Je vais essayer de me start in business, ok? Bon. J'ai hâte de voir ça. C'est lui qui va inventer le short qui pue pas. Là. Ouais. Mais bref, pour rappeler à nos auditeurs, dans le fond, les dates du MRSQ 22 juin, samedi, 11h le soir pour le départ du 100 km. 23 juin, dimanche. 6h du matin pour le départ du 50 km. Mm-hmm. MRSQ 100 km sur Facebook si vous voulez nous trouver pour connaître nos publis. On est sur Google aussi. Google. MRSQ 100 km. Vous allez nous trouver assez facilement. Puis si on vous répond avec une déferlante d'emoji, essayez de deviner c'est lequel de nous trois. Ah. Pour le reste, ben c'est ça. Il reste une place sur le 100, 4 places sur le 50. On a hâte de vous voir. Puis même si vous ne pouvez pas courir la totalité du parcours, vous allez pouvoir trouver le tracé du parcours sur Strava, sur notre page Facebook. Venez encourager, venez faire une portion. Offrez à votre ami de faire les 20 derniers kilos avec pour l'amener jusqu'au sommet du Mont-Royal. C'est un événement collectif. C'est une communauté qui accueille des gens qui veulent se prouver pour la première fois qu'ils peuvent faire cette distance-là ou battre leur record personnel sur cette distance-là, puis n'importe qui entre les deux. Puis ben, c'est un gros party au sommet du Mont-Royal qui va s'amener de plus en plus au fil de l'avant-midi du 23 juin. Fait que vous êtes tous les bienvenus, puis ça serait vraiment... Si vous voulez participer bénévole, à être présent dans un ravitaillement, des affaires même, ou nous attendre à l'arrivée, nous aider à organiser, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook. On est rendu à cette étape-là dans notre processus, organiser les ravitaillements, préparer les bénévoles pour le jour J. Ou le jour C. On appelle-tu le jour C à la place? Bon, le jour M. G pour jogging à cette vitesse-là. Ouais. Puis ça arrive à quelle... Les premiers devraient arriver à quelle heure au sommet en moyenne? Techniquement, on pourrait avoir des coureurs du 100 km qui arriveraient dès 7h le matin. Parce que en étant parti à 11h le soir, s'ils font le record ou autour du record de parcours à 8h, ils vont être là à 7 le matin. Et normalement, le gros arrive. Ouais, les premiers du 50 vont arriver entre 9 et 10 heures. C'est 4,45 au kilomètre. Hein. Ça fait 108 heures. Fait que c'est ça. Cool. Fait que si jamais il y en a qui veulent voir ça, vous pouvez mettre ça dans votre. C'est le dimanche dans le fond que dimanche ça arrive. Dimanche matin 23. Vous avez tout congé le lendemain de toute façon, vous n'avez pas de prétexte. Ouais, à part d'être. Ben, ouais, même si tu t'es saoulé à mort la journée d'avant, c'est bon. Ça te fait des souliers. Ouais. Ça, ou couche pas. Ou sur le toit Belvédère, tu seras déjà rendu. Ouais, c'est ça. Pas le seul. Sur le toit Belvédère, endors-toi là, puis là, tu vas te réveiller au son des cris du monde qui finit, qui sont des cris de joie. Super. Bon, ben, merci à vous beaucoup, d'être venu. Merci beaucoup, c'était un épisode fort sympathique. On a essayé ça sur le couch, on va voir ça va être quoi la réaction, si ça sort bien, on espère. Puis, je pouvais pas étendre mes pieds là, j'avais les boîtes ici. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il essayait plusieurs positions parce que là ses jambes étaient comme dans mes pieds. Dis pas, mais c'est parce qu'il y a ses shorts. Parce qu'on voit tes On voit tes couilles, je t'ai cassé, mec! Un classique, référence Brice Danis pour ceux qui connaissent. Okay. Ouais, super. Donc, merci et moi je vais pas courir avec vous, mais bon retour à la course coureur utilitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao, tout salut bon. Les poussinots. Bye bye.